Les enfants, il est temps d'aller au lit. Oh non! Maman, je me sens tout drôle. Comment ça, tout drôle? Ma gorge me fait mal et j'ai froid. Ah oui, t'es complètement chaud. Je vais prendre la température à l'oreille. Oh là là, 39,3 degrés. Je vais te donner maintenant un sirop pour la toux. Oh non! Si, si, il le faut. Et ça a le goût de la fraise. La fièvre va bientôt tomber et tu pourras bien dormir. Bonne nuit, toutes les deux. Je ramène vite fait le sirop dans la salle de bain et je viens tout de suite. Bonjour! Alors, Anna, comment vas-tu? J'ai toujours mal. Je vais mesurer encore une fois la température. Oh là là, tu as toujours de la fièvre. Et tu as des rougeurs au ventre. On va chez le médecin. Léna, aujourd'hui, tu n'iras pas à la maternelle. Je préfère que tu restes ici pour ne pas contaminer les autres au cas où. Ta grand-mère viendra aujourd'hui. Elle restera avec toi. Oui, d'accord. Bonjour, ici Hauser, à l'appareil. Anna a une très haute fièvre, mal à la gorge et des rougeurs. Est-ce qu'on peut venir tout à l'heure? D'accord, on arrive. Bonjour mamie, je suis contente que tu restes avec moi. Allez, au revoir, j'espère que nous ne resterons pas longtemps. Au revoir. Bonjour, Anna Hauser, j'ai téléphoné tout à l'heure. Ah oui, je vous en prie, prenez place, c'est bientôt votre tour. Très bien, merci. Regarde maman, il a un plâtre au pied. Oh oui, le pauvre. Au revoir. Bonjour Anna, tu peux venir. Bon, Anna, tu peux te coucher ici. Comment vas-tu, Anna? Ma gorge me fait mal et j'ai de la fièvre et des rougeurs. Oh, c'est sûr que ce n'est pas bon. Je vais juste regarder ce qu'il y a dans la bouche. Alors, pour que je voie ce qu'il y a au fond, je vais appuyer avec ce petit bâtonnet sur ta langue. Est-ce que tu peux ouvrir grand ta bouche et sortir ta langue? Ah! Très bien! Ah oui, la gorge est rouge. Maintenant, je vais voir les rougeurs au ventre. C'est bien la scarlatine. Mais pour être sûre, je vais faire une prélévation. Est-ce que ça fait mal? Non, tu dois juste ouvrir à nouveau la bouche. Vite fait, je vais mettre le bâtonnet dans la bouche. Et c'est bon. Oui, streptocoque, donc de la scarlatine. Maintenant, je veux juste écouter avec le stéthoscope. Tu dois bien connaître. Oui, j'ai le même dans mon coffret à docteur. Ah, bah c'est très bien. Et donc maintenant, tu vas bien inspirer et expirer. Tout est bon. Et maintenant, avec l'otoscope, je vais examiner ton oreille. Tout à fait normal. Donc, je vais te prescrire un antibiotique. Et en plus, vous donnez bien le sirop de fièvre. Tu iras bientôt mieux. Merci. Tu es bien brave, Anna. Tu seras bientôt guérie. Bon rétablissement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, ici votre ordonnance. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, qu'est-ce que je dois lire comme histoire? Le petit ours est malade. Le petit ourson aura aussi des médicaments. Comme ça, elle guérira vite comme moi. Coucou! La vidéo vous a plu? Alors cliquez sur j'aime. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater.